Qu'est-ce que tu fais là, Nulos? Je fais rien de bizarre. Ah, le corbeau peut rester, toi tu sors. Je suis désolée, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que le petit frère de Link s'amuse, mais j'ai l'étrange impression qu'il me trouve un peu ennuyeuse. Juste un peu. Hop, hop, hop. J'ai fini par lui dire que ton antre était mon bunker de pirate et que tous tes gadgets étaient des trésors cachés. Et ça a marché? Ouais, il s'amuse depuis qu'il a mis ce bandeau sur son œil. Oh, mon bandeau diabolique! Tu parles de ce morceau de tissu inoffensif qui brille d'un rouge qui ne présage rien de bon, c'est nouveau ça. Oui, et ça aussi. Ça sent bon ici. Wow! Mes rognons sont en feu! Hey, Harris, arrête ça! C'est une table fabriquée sur mesure. Mais c'est drôle! Parfait. Comment on fait pour détruire le bandeau sans blesser Harris? Il n'est pas question de détruire le bandeau, Phoebe. Pourquoi? Parce que j'ai risqué ma vie pour pouvoir le terminer. Oui, enfin, c'est Billy qui a risqué sa vie, mais quand même, des vies étaient en jeu, Phoebe. Il faut qu'on trouve une solution. Oh. C'est toi qui as menti à Harris quand tu lui as dit que c'était ton bunker. C'est pourtant évident que c'est l'antre d'un génie du mal. Attends, tu m'as menti et tu m'as paralysé. Je sais que c'est pas terrible dit comme ça, mais waouh, ça c'est une très grosse lueur dans la nuit noire. Non, Colosso, vous m'aviez dit que c'était à l'épreuve du feu. Je sais, maintenant t'as l'épreuve que ça prend feu. Sois vigilant, il peut être n'importe où. Juste ici, par exemple. Ah, oh non, il est l'heure d'aller à la fête surprise d'Aris. Quoi? Il est l'heure d'aller à la fête surprise d'Aris. Oh, une fête surprise pour moi? J'adore les fêtes surprises. Et vous venez de me gâcher la surprise. Non, pas complètement. On n'a pas parlé des pirates ou du laser tag ou... Je vais me taire maintenant. Vous avez gâché ma fête surprise, alors maintenant je vais la gâcher pour tous les invités. Pourquoi il déteste autant mes vêtements? Harris, je veux pas me battre avec toi. Je voulais seulement qu'on devienne amis, toi et moi, mais je suis allée trop loin. C'est entièrement ma faute. De quoi tu parles? De tous tes mensonges? De quand tu m'as paralysée ou de quand t'as gâché ma surprise? Et nos aventures avec le corbeau? On s'est bien poilés! Tais-toi, les corbeaux n'ont pas de poils et on ne deviendra jamais amis! T'as raison, mais on va quand même récupérer le bandeau que tu m'as pris. Tu te rappelles que Phoebe t'a menti? Je suis sur le point de vous lancer une boule de feu. Oh, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous gâcher la surprise. Aïe! Nora? Évidemment! On a notre propre laser avec son ruban dans les cheveux. Comment t'as su qu'on avait besoin d'un coup de main? Billy m'a prévenu et je savais qu'il était temps de faire ce qu'il fallait. Je n'en doute pas. T'es un super héros. Et moi, je suis un génie du mal. Vite, Nora, fais tomber son bandeau. Délicatement. Très mignon, ce laser. Je t'appellerai quand j'aurai un grain de beauté à faire enlever. On va voir s'il trouve ce tir en diagonale mignon. Rebond sur le miroir, rebond sur le corps. Moins de blabla, plus de zap-zap. Oh! Nora, t'as réussi! Non! Est-ce que tu vas bien? Oh. Oh, tu étais trop diabolique pour ce monde, mon petit gars. Harris, t'es blessé? Tout va bien maintenant. Merci de m'avoir sauvé de ce bandeau diabolique.